Voilà, je tenais à mettre le petit générique d'intro pour commencer cette découverte. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Before the Last Hour. Générique que je trouve vraiment excellent. À chaque fois que je le regarde, il me fait des petits frissons et tout. Il est vraiment très très bon. Before the Last Hour, qui est un jeu de type roguelike, qui est créé par un Français. Donc qui est en Early Access, assez tôt dans le développement pour le coup. Hein, il y a encore quelques bugs. Il coûte 20 € pour l'instant, je pense qu'il les vaudra, mais... Je vous conseille d'attendre un petit peu avant de l'acheter, je le suivrai de toute façon très probablement, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que c'est un coup de cœur pour moi. Il est disponible pour l'instant uniquement sur Steam, il est en français, ce qui est très très bien, ça, même les jeux en français, enfin même les studios français souvent sortent leur early qu'en anglais, donc c'est assez plaisant. Même s'il n'y a pas tous les textes encore, il y a un énorme codex et tout dans le jeu, très complet, il n'est pas encore complètement rempli, il se remplit petit à petit. C'est un jeu solo comme la plupart des roguelikes, et il se joue pas à la manette, vous allez voir, de toute façon la manette n'apporte rien, c'est un jeu qui se joue à la souris avec du deck building. Vraiment très très sympathique. On est en live aujourd'hui, et je te dis bonjour Kelrim, bienvenue, j'espère que ça va bien, désolé t'es arrivé pendant le générique, je voulais pas mettre de voix par-dessus. On va basculer tout de suite en jeu. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous le disais, il y a un codex qui parle un peu de tout ce qui se passe, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et le côté roguelite, entre guillemets, le light que je mets entre guillemets, vient d'ici, puisque au fur et à mesure que vous réussissez des choses dans le monde et que vous débloquez des entrées du codex, vous allez débloquer des petits bonus. Des petits bonus ou pas. Des fois vous allez débloquer des bonus, ici on voit qu'on va avoir plus 1 de force par exemple en ayant fait la première partie de l'histoire dans la mythologie. Mais des fois vous allez débloquer des bonus pour vos ennemis, tout simplement. Ou par exemple ici on a débloqué le mode, si on arrive à le battre on débloquera le mode difficile. Ici aussi d'ailleurs, là on va pouvoir, bon là vous voyez qu'il y a des petits bugs encore qui sont pas forcément tout à fait débloqués. On en a 2 sur 3. Je vais peut-être baisser un petit peu le son parce qu'il est un peu fort. Alors, la bande son est assez somptueuse, je trouve. Mais comme la plupart des jeux, quand on passe en record, ça pète un peu les oreilles. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu. Donc, pour l'instant, on peut choisir... Alors, passer le tutoriel, oui. Normalement... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, on a deux apparences, bon, ça change pas grand-chose, mais on a deux classes de départ pour l'instant. Les autres, faudra les débloquer. Le combattant et l'enquêteur. Donc, les classes de départ vont principalement jouer sur votre capacité spéciale et vos passifs. Donc, le combattant a plus 1 de force, plus 50 de PV. Il commence avec... Une armure de guerre résistante qui fait que toutes les actions de défense donnent plus 1 d'attaque à chaque fois qu'on a deux cartes qui manquent dans notre deck. Et il commence avec une épée, une arme de base qui fait 2 d'attaque. Et l'enquêteur de son côté, il a plus 2 d'anticipation. Vous verrez que c'est une capacité qui sert pendant les combats. Et il perd 1 de danger après chaque quête. Pareil, je vous expliquerai ces concepts-là sur la carte. Il commence avec un camouflage organique qui pour le coup est inconsommable, c'est pas une armure, mais il peut faire moins 10 de nombre de coups pendant un tour. Donc si on a un ennemi qui nous attaque, qui fait plusieurs attaques pendant le combat, bah on peut annuler 10 de ses attaques. Et il commence avec une arbalète qui fait 6 d'attaque par contre. Ils ont également, ici en haut on voit le deck de départ, deux compétences qui changent un petit peu. Le combattant il est violent. C'est-à-dire qu'il a un bonus d'attaque en fonction de la santé perdue par son adversaire. Et l'enquêteur. Il peut faire 6 d'étourdissement et annuler de nouveau 10 d'attaque. Par contre, sa compétence va nécessiter 3 de mana pour se lancer, alors que le combattant, il n'y en a qu'un. On va prendre le combattant pour commencer et on va prendre cette apparence-là parce qu'elle est plutôt classe. Et je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu le concept du jeu. On va jouer sur une terre post-apocalyptique et on va jouer ce personnage-là qui est réincarné. Et qui essaye en fait de trouver ce qui s'est passé sur la Terre, puisque l'une des particularités de cette planète, c'est que le temps s'est arrêté. La Terre s'est arrêtée de tourner, le temps s'est arrêté avec, et du coup, tous les gens qu'on va rencontrer vont être des personnes qui sont figées dans le passé.
et qui ne peuvent rien faire. On va pouvoir les combattre, bien sûr, mais ils sont totalement bloqués dans le passé, ils peuvent pas avancer, ils peuvent pas se sortir de là. Et donc, bah, notre objectif va être de les libérer par leur mort plus ou moins permanente, mais également de trouver un moyen de sauver, entre guillemets, la planète. Donc, le jeu va se présenter comme ça sur la carte. Vous voyez qu'on peut aller à gauche et en bas pour l'instant. Toutes les autres cases autour sont là. Donc, les cartes sont générées déjà totalement aléatoirement, ce qui est assez sympathique. Et l'autre objectif va être d'atteindre ici le boss. Donc le boss de la zone, et bien sûr de le battre. Notre objectif ultime étant de localiser Dizis, qui est une espèce de déesse qui pourrait potentiellement nous donner plus d'infos. En haut, on va voir que sur cette carte, on a toutes ces choses-là qu'on peut trouver. 3 combats, 4 curiosités, 5 événements, 3 quêtes et une aventure. Sachant que les combats, c'est des combats flat, et un boss bien sûr. Mais il peut y avoir des combats dans les autres événements. On est quasiment sûr qu'on n'arrivera pas à tous les faire avant de réussir à trouver le boss, ou en tout cas avant de devoir trouver le boss, puisque on voit au milieu de notre écran ici, on a 16 tours. Donc chaque fois qu'on va prendre une case, ça va compter pour 1. Et à chaque fois qu'on se déplace et qu'on combat, le compteur diminue et à 0, la bête se met à notre poursuite. Donc la bête va apparaître à la dernière fois où elle nous a vus. C'est-à-dire par exemple pour le premier coup ici, et elle est invincible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la tuer. Si vous arrivez à la vaincre, si vous passez les 16 tours, qu'elle vous rattrape et que vous arrivez à la vaincre, ce qui est possible mais quand même assez tendu, bah vous ne faites que la retarder en fait. Vous allez gagner 5 tours, elle va repartir pendant 5 tours, et quand elle reviendra, elle sera encore plus forte, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui met une pression franchement pas négligeable dans le jeu parce qu'il ne faut pas traîner. Les différentes icônes qu'on voit à côté vont jouer sur nos loots. Ici, on a la qualité du butin. Ça détermine la qualité du tirage des objets qu'on trouve. Donc, à chaque fois qu'on va faire des quêtes ou faire des événements ou des combats, on va gagner un point de butin. Et également, à chaque fois qu'on va gagner un facteur risque, eh ben, on va gagner un point de butin. Donc des fois, on va nous proposer de gagner de prendre des de faire des actions risquées qu'on pourra décider de prendre ou pas, ou des fois qu'on n'aura pas le choix de prendre. Et quand on les prendra, ça nous donnera du butin plus rare, mais ça augmente aussi notre facteur risque. Vous voyez qu'ici, au niveau du palier 1, ils gagnent plus. Nos adversaires gagnent 7 points de vie par palier. La bête ensuite est renforcée, plus on monte dans les facteurs de risque. À chaque fois qu'on combat au palier 6, la bête avance d'encore plus vite, etc. Donc du coup, il va falloir réussir à trouver un équilibrage entre la qualité du butin, bien sûr on veut des butins hein, les plus efficaces possibles, et diminuer le facteur risque. Donc on va pouvoir éventuellement le diminuer avec le temps ou avec des événements, des objets qu'on va trouver, etc. On a bien sûr des PV, on a un inventaire assez classique, on a notre arme de base, notre petite épée, l'armure de guerre que possède notre... je vais l'équiper bien sûr, notre guerrier au départ. On peut voir notre deck. Donc notre deck va comporter 4 cartes armes, 3 défenses, 5 percées, 5 forces et 2 vitesses. Et on a également un sort qui est la violence comme on l'a vu au début. Et vous allez voir, on verra en combat, je vous expliquerai un petit peu plus, mais en gros, tout le concept des combats dans le jeu va être basé sur des combos. Toutes les cartes vont avoir des combos avec d'autres cartes, et plus on fait des combos, plus elles sont énervées. Plus les cartes sont puissantes. Ici on a notre thune, le montant de continuum qui nous permet d'acheter différents objets et d'alimenter notre petit Veloracer ici. On va pouvoir également placer des composants dans notre motojet. Voilà, c'est un motojet, c'est ça. On a la possibilité de sauter de 2 cases, ce qui ne fait que la bête n'avance pas. Mais quand on le fait, il faut payer pour le réinitialiser ou ça se réinitialise avec le temps et c'est assez long. Donc c'est à garder pour les cas d'urgence, on va dire. Surtout quand on saute à l'aveugle là. Donc je pense qu'on va partir explorer par ici. On va tout de suite voir ce qu'on a. Et c'est un échec parce que c'est direct du vide. On va perdre 2 cases. Donc là je pense que le jump pourrait s'entendre. On pourrait sauter directement ici. C'est parti. En espérant pas tomber dans un autre cul-de-sac. C'est bon. Donc là vous voyez, on peut payer 5 d'avancée de la bête pour réinitialiser notre moto jet. Donc on va pas le faire, hein. On va continuer d'avancer. Et on est coincé de nouveau, donc on va pas avoir le choix, va falloir payer. Petit run qui commence assez mal hein, au niveau de la map pour le coup.
Alors c'est l'un des défauts pour l'instant du jeu hein, en early, c'est que la génération procédurale donne parfois des cul-de-sac comme ça ou des trucs qui sont un petit peu compliqués. Alors ça peut être voulu, mais ça peut aussi être un petit peu frustrant. On a découvert un vieil hôtel de puissance qui demande un sacrifice pour nous renforcer. On peut offrir 51 mais on n'a pas assez. On peut tenter de tricher, on gagne un de perforation mais on perd de l'attaque, on fait rien. On va tenter de tricher. On va donc perdre un petit peu d'attaque, mais vu qu'on va pouvoir perforer l'ennemi, ça peut être compensé. Vous avez entendu le bruit d'une arme à feu au loin, camouflant que quelques dunes derrière une barricade de tôle rouillée, un éternel se tient en embuscade. Alors, on peut prendre une position défensive, ça nous donne du continuum, mais on perd une relance. On peut prendre la fuite, on peut charger, on gagne un butin, mais on perd 85 PV, on va charger. Mais on a gagné plus 1 PV, plus 1 PV de base. Très bien. Donc ici on voit qu'il y a un combat, on va y aller. J'ai peut-être un petit peu trop baissé le son pour le coup. Faut que je le remonte. Non, ça y est, la musique se déclenche. Donc on va voir un petit peu notre premier combat, comment ça se passe. Alors, on va affronter un pistolero mystique. Donc comment se passe le combat? On va avoir nos cartes à piocher, on va devoir en choisir 3, plus éventuellement un consommable si on en a, mais lui n'en a pas. Quand on va passer le tour, on va faire notre attaque avec nos 3 cartes, et l'ennemi va faire son attaque avec ses 3 cartes. Pour l'instant, on a 3 de défense. L'ennemi en a moins 1, et on voit qu'il va faire 15 de dégâts, 15 d'attaque. On peut voir ses différentes cartes. Il va piocher comme nous, hein, un certain nombre de cartes et essayer de faire des combos. C'est un pistolero mystique, ce qui veut dire que à chaque fois qu'il fait une action arme, s'il joue une carte de type calculé, il va faire un coup supplémentaire. Et il a une carte bleue au tour 3. Donc là, il va nous faire des dégâts temporels, plus des dégâts mortels, des dégâts de type temporel de nouveau, des dégâts de type fou, des dégâts de type feu et... Il va nous enlever 5 coups. Mais comme il attaque après nous, c'est moins grave. Et on voit qu'au final, il va nous faire 15. Parce qu'on a pour l'instant aucune défense particulière. Donc on va encaisser comme un gros sac. De notre côté, on va voir. On a pioché ces cartes-là. Donc on a la possibilité de relancer des cartes si on veut. Et vous pouvez voir ici, à chaque fois que je sélectionne une carte, donc il y a son effet. Ici, par exemple, percer fait 1 de perforation. Le niveau de la carte, elle est niveau 1. Si on monte les cartes de niveau, ça va nous donner des petits bonus. Et pour les monter de niveau, comment faut faire? Et ben on voit qu'on a en haut à droite ici combo vitesse, combo force, combo défendre. Ce qui veut dire que si on les joue avec une carte de ce type, et ben on va avoir le combo. Donc là, par exemple, si on met un percé et un autre percé et qu'on met un vitesse, on voit que nos cartes montent de niveau, elles passent level 3, elles font 3 de perforation. 1 d'handicap et 2 d'attaque, et on fait 0 parce qu'il nous annule nos coups. Nombre de coups 0, voilà, donc bah, c'est pas de bol. Par contre, du coup, on va le percer. On n'a rien pour améliorer nos coups. Par contre, on a la possibilité de bloquer certaines cartes. On a de l'anticipation, qui est une ressource qui ne se recharge pas, mais qu'on peut utiliser une fois par tour pour annuler une carte. Par exemple, on peut dire voilà, j'annule cette carte-là. Du coup, il nous enlève pas nos 5 coups et d'un coup, on fait 42 de dégâts. C'est plus la même. C'est parti. Il nous lance sa petite boule et bim! Donc, il nous a fait ces deux attaques. Nous, de notre côté, on invoque notre épée et on le fait vomir du sang. Voilà. On gagne 15, on a un buton faible qui nous donne 3 points de santé. Ok, on se soigne un petit chouille. C'est toujours bon à prendre. Et du coup, on a un événement. Au milieu du désert, seule une arche se tient. Elle vous intrigue car rien n'indique son utilité. Vous essayez de comprendre les détails de son architecture pour y trouver des indices. Finalement, vous décelez un message de mise en garde. En déchiffrant la citation, vous comprenez qu'aucune arme ne doit être menaçante en franchissant cette porte. Alors on peut traverser avec nos armes ou on peut passer en rangeant nos armes. On va écouter le...
On va écouter le bonus. Donc ça nous diminue notre facteur risque, on n'en avait pas. Les mains en évidence, vous avancez sous l'arche monumentale. Une force indicible vous paralyse sans vous faire souffrir. Puis une voix sortie de nulle part demande: tu as changé. Pourquoi vouloir renoncer à tes pulsions sadiques? Soit on répond pas, soit on fait un choix positif. On va faire le choix positif. Hein. Ah, 10 de blocage de la bête. Ça c'est cool. Subitement, l'étreinte se relâche. L'arche paraît satisfaite de votre réponse. Un étrange sentiment vous traverse. Il émane de l'architecture. Elle vous prévient que les candides ne survivent pas souvent. Seuls les monstres dominent. Vous remontez sur votre moto après avoir prouvé votre valeur à une porte. Nickel. Donc on regagne 10 de blocage de la bête. Ça fait plaisir parce qu'on avait dû en cramer un peu quand même. Au niveau des chemins, on pourrait éventuellement remonter voir ce qu'il y a. Mais on va essayer de progresser. On voit qu'il y a déjà le boss ici. C'est un peu tard. Alors, vous remarquez une vieille tour de guet en pierre ancienne. Cette dernière pourrait offrir une bonne vue sur les environs, mais elle est particulièrement exposée. On va y aller. On gagne un facteur de risque. Une étrange structure vous barre la route. La contourner risquerait de prendre plus de temps que la traverser, mais impossible pour votre véhicule de s'y frayer un chemin à grande vitesse. Contraint de ralentir, vous avez le temps d'observer les lieux plus en détail. Il ne vous faut pas longtemps pour réaliser qu'il porte des traces de passage. Poussé par la curiosité, vous posez pied à terre. Alors on fouille, ça nous demande du continuum. On explore ou on se repose. On va fouiller, gagner une qualité du butin. Par contre du coup, le boss tout de suite, c'est vraiment trop tôt, donc il va falloir qu'on remonte. On va profiter qu'on a un compteur de bêtes assez élevé. Un amas de mécaniques et de véhicules rouillés se dresse devant vous. Certains vous semblent extrêmement vieux, comme si une force inconnue vous avait forcé à s'écraser à cet endroit. Vous vous arrêtez et posez un pied à terre. Le sable crisse sous vos semelles, alors que vous enfoncez plus en avant parmi les carcasses de métal. Parfois, vous avez l'impression de reconnaître un insigne ou un modèle de véhicule, comme si l'oubli essayait de se dissiper pour faire revenir les souvenirs d'une époque plus vivante. Malheureusement, cela ne reste jamais qu'un frémissement à la surface de votre esprit. Alors on peut choisir de prendre du facteur de risque, ce qui nous donnera 2 points de butin, mais on perd un peu de PV. On va le prendre. Donc on passe à 4 de butin. Sachant qu'il faut être à 7 pour avoir des bonus intéressants. Donc si on va par là, on devrait probablement retomber sur notre start. On a démarré ici si je ne m'abuse. Donc on va essayer d'aller par ici pour voir. Une alerte retentit. Le moteur de votre véhicule est en surchauffe. Vous pourriez vous arrêter pour le laisser refroidir, forcer sur ce dernier pour continuer votre route, à moins que vous ne parveniez à altérer le temps pour restaurer votre moteur. On a ce qu'il faut pour altérer le temps, on va le faire. Mais par contre, on n'a plus rien après. Et on va faire ce combat, du coup. Alors, il y a des petits temps de chargement à chaque fois au début des combats, malheureusement. Ok, on va affronter un gros tas avec une grosse hache. Exosquelette, plus 1 d'armure en fonction de la santé du guerrier. Ok. Il est immunisé à la perforation. Et il a 109 PV. Et il nous fait 57 d'attaque directe. Ouais, parce que là, il a plus 2 de coups. Il a fait un combo avec son percé. Et avec son arme. Donc là, il nous fait 12 d'attaque et 3 de saignement. Combo d'armes plus 2 coups, combo percé plus 2 coups, ok, donc c'est pour ça qu'il nous fait autant d'attaques en fait, c'est parce qu'il fait beaucoup de coups. Je pense qu'on va lui enlever son arme, ça enlève un combo, et ça enlève les dégâts de l'arme. Nous de notre côté on a quoi? La violence, bonus en fonction de la santé perdue par l'adversaire, pour l'instant il a rien perdu donc c'est pas très utile. On a un combo avec la force ici. Par contre, on a la vitesse qui nous sert à rien, donc on va mettre les deux armes. Donc pour l'instant, ouais, on fait 17. Hein. Et si on rajoute ça, on fait 27 de dégâts. Malheureusement, il est immunisé à la perforation. Mais on va quand même pouvoir lui mettre... Non, on gagne de l'armure, pardon, excusez-moi. Oui, on prend 15, non, c'est l'autre sens. Si on avait eu percé, que ça aurait fait un combo avec la force. Mais là, on monte de niveau de nos cartes d'armes. C'est parti. Donc on va devoir encaisser. Donc la multi-attaque, voilà, 3x5. Alors, on a eu un force qui se combotte avec percée, la défense combotte avec force et la vitesse combotte avec défendre.
Il va nous faire 114. Ah oui, parce qu'il a la violence lui aussi. Plus ça qui fait plein d'attaques. Ah, oh, c'est là, ça pique un peu, hein. 114 d'attaque, ça pique un peu. Si on fait ça, on fait 20, 20 flat. Alors la perforation, il est immunisé, donc je pense pas que ça vaille bien le coup. On pourrait défendre. On défend pas mal, on passe déjà à 87. Et si on fait ça, on fait en plus un combo avec défendre. Qui nous fait quoi? Qui nous donne de la relance. Ouais, est-ce bien utile? On fait 23. On va annuler sa violence, tant pis. Alors on a plus d'anticipation, j'espère qu'il va arrêter de piocher des bonnes cartes. Parce que pour l'instant on est un petit peu en dèche, on va dire, en termes de cartes de qualité. Alors après, nos cartes vont monter de niveau, c'est là qu'elles vont devenir plus costaudes. Hein, mais... Alors on va poser l'arme, la défense, et si on met une force, on fait monter de niveau tout le monde. Par contre on fait 1, pourquoi? Parce qu'il a plein de défense. Ça dit il fait 6 lui. De toute façon il est immunisé à percer, donc si je rajoute du percer, ouais ça fait rien, on est d'accord. Donc tant qu'à faire on va prendre le combo au moins pour monter nos cartes de niveau, c'est pas ouf mais il va nous faire que 6. Hein. Voilà, il se protège. Et il nous met un coup de hache. Ah. Notre arme commence à monter pas mal de niveau. Attends, par contre on a pioché que des percées, donc là c'est bon, on a relancé quelques cartes. Non, pas de percées, merci. Combo force, ça c'est pas mal. Il fait 98 dégâts encore ce con. Si on fait ça, on fait 76 et on va le finir. C'est parti. On va s'énerver un coup. Bim, 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 bim. Voilà, ça c'est fait. Alors, on peut choisir. Un petit peu de vie ou un consommable. Vous récupérez 10 PV par attaque et on retire toutes les applications actives. Les afflictions actives, pardon. Je pense que ça va nous permettre de nous soigner plus efficacement au final. C'est un consommable, donc on peut s'en servir qu'une fois, bien sûr. Et on peut servir des consommables qu'en combat. Alors, au premier abord, c'est un bunker, mais son allure est fondue comme si une force divine l'avait brûlé. Il ne reste des occupants que des squelettes traînant dans le sable rouge. Une aile du bunker a son toit effondré. Cela doit donner accès à une partie du bâtiment inatteignable autrement. Grimper pour atteindre la section détruite peut vous épuiser, mais les supérieurs du lieu doivent être les moins pillés. Vous pouvez néanmoins explorer le rez-de-chaussée au risque de subir des éboulis. On va essayer de prendre la section détruite. On perd un facteur de risque, très bien. Après de gros efforts, vous parvenez jusqu'à la partie détruite du toit que vous traversez jusqu'à une zone quasiment intacte. Avec étonnement, vous découvrez un sas vitré dans lequel un vieillard squelettique est couché, percé de câbles. Malgré ses yeux aveugles, il sent votre présence et murmure d'avoir attendu votre retour pendant des siècles. En tant que votre disciple, il se devait de vous attendre. Trius, le voyageur du temps. Dans cette attente, il a conçu une machine qui transfère le continuum d'un être jusqu'à lui. Visiblement, le vieil homme vous prend pour un autre. Vous pouvez exploiter cela en exigeant un don de votre disciple, ou en finir avec ce quiproquo en récupérant une partie de sa machine. En finir avec ce quiproquo en le butant. On prend la partie de la machine où on exige un don. Exigeons un don. On n'est pas là pour s'emmerder. On peut rebloquer la bête, ça c'est cool. Masquant votre voix, pensant par réflexe qu'il pourrait vous identifier, vous lui demandez d'honorer votre présence. Dans son trône, le vieillard se meut piteusement et essaie de se lever. Ses jambes osseuses tremblent comme deux branches que l'on ploie. De son manteau long, il sort un artefact qu'il vous tend. Le poids de l'objet lui tord le bras dans un craquement sec. La douleur le fait tomber, lui brisant d'autres os. Sympathique. Vous brisez la vitre du sas et prenez le présent. À vos pieds, le vieillard gigote minablement de douleur, décroché de son engin. Il mourra d'ici peu. Vous partez sans un mot à son égard. On est un vrai héros, hein. On va prendre la vie, on a encore 8 de bêtes, on peut se permettre, je pense. On va aller par ici. Ah, on a trouvé un marchand. Alors, vu la thune qu'on a, à mon avis, ça va être tendu. On peut lui vendre des trucs, ça on peut lui vendre pour 35, ça on peut lui vendre pour 45. On a rien du tout. Et on a de toute façon pas de thune, dommage.
Vos attaques infligent 25% de dégâts de flamme. Au niveau 3, vos actions d'armes gagnent plus 10 de perte de santé. Annule les 10 premiers handicaps subis. Et confusion subie. Ouais, ils sont cool hein, ces objets, mais. C'est un peu la dèche. On peut aussi se soigner. On a 243 de santé sur 300. Bah tant qu'à faire, on va se soigner. Hein. Hop. Et du coup, on peut aller par là. Par contre, ça commence à être tendu avec la bête là. Il va falloir qu'on reparte. Vous avancez au centre des décombres. La fascination se mêle à la curiosité. Vous remarquez d'anciennes gravures à l'aspect étrange. Elles ne sont plus de première jeunesse et parfois difficiles à déchiffrer. Une scène néanmoins attire votre attention. Elle vous est vaguement familière, comme si vous avez déjà vu une présentation similaire. Celle d'une divinité choisissant de conférer sa volonté à un mortel. A chaque fois pourtant, vous avez l'impression que la divinité change, et pourtant est étrangement similaire à la précédente. Alors du coup, on n'a pas assez de ressources, on peut explorer... 4 de facteur risque, waouh! Ou se reposer, mais on peut pas trop se permettre, donc on va prendre les 4 de facteur risque. Ça commence à piquer, et c'est un cul-de-sac visiblement. Ok, donc on pourrait jump là, mais on retombe sur un probable cul-de-sac. Peut-être pas, mais c'est risqué. Hein. On va tomber sur elle, je pense, là. Parce qu'elle va apparaître. Mais elle va nous poursuivre, normalement, elle va être derrière nous. On va essayer d'aller choper le boss. Donc là, vous voyez, attention, la bête va apparaître. Sa gueule. Donc voilà, le nuage, là, est apparu. Si le nuage nous rattrape, elle nous chope. Elle nous poutre la gueule. On peut réussir à la battre, hein. Ça coûte en général assez cher en points de vie. Mais on peut réussir à la battre au moins une fois. Mais ça reste compliqué. C'est un peu comme les mercenaires dans Urtuk, quoi. Ils arrivent régulièrement et ils sont quand même assez badass. Et on va tenter d'affronter le boss, hein, tant pis, on va voir si on s'en sort. C'est un peu tôt, je pense, mais... Un immense chevalier vous barre la route. À l'instant où il vous aperçoit, il pointe vers vous son arbre gigantesque et hurle. Toi, tu oses vivre encore après ce que tu as fait, qu'il en soit ainsi. Pour l'affront que tu as fait subir à mon Orae d'Isis, je t'annihilerai. Orae ? Ah ! Alors même toi, tu peux être contaminé par l'oubli. Les Orae sont nos déesses hérétiques, et tu ne mérites pas leur bénédiction. Peu importe, déesse ou pas, je dois l'éliminer. Soit, alors je t'écraserai. Alors, il va nous écraser, il fait direct 23 d'attaque. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Au niveau 1, l'action force gagne un combo avec arme, plus 1 handicap. Ok. Et... Défense déstabilisante, il a plus 1 de défense par stack d'handicap qu'il nous met. Ok, je vais vérifier que mon chat est pas stuck, excusez-moi. Hop, voilà. Alors, il a eu quoi? Il va nous mettre de la confusion. Il a fait des combos avec défendre et vitesse. Ok, il fait une attaque relativement légère. Nous, on a eu quoi? On peut faire un combo force, défendre... Et percer, c'est pas mal. On pose force, on pose défendre, on pose force, on pose percer, on fait 15 de dégâts, sachant qu'il a un petit peu d'attaque quand même. On va le taper, ça va percer un peu son armure. Il a 300 PV. Hein. Aïe. On lui a mis du saignement. Le saignement, ça pose le statut saignement sur une carte. Donc on le voit pas parce qu'on lui a mis. Ce qui fait que s'il ne la joue pas, il va prendre des dégâts. Et lui, il nous a mis confusion. Cette carte doit faire perdre 15 dégâts si elle est en main si à la fin du tour et en plus on ne la voit pas. 124 de dégâts, très bien. Qu'est-ce qu'il fait aussi mal? Ok, il a un gros combo parce qu'il a mis 2 forces sur son arme. On va donc annuler l'arme, voilà. De notre côté, bah faut qu'on les joue. De toute façon, on n'avait pas. Si, on avait quand même un combo avec percé. On va en enlever une. Ah, on a un combo là. On va monter notre arme. Il faut qu'on arrive à monter de niveau nos cartes. Quitte à encaisser quelques dégâts. Parce que contre lui, sinon on lui fera jamais assez mal. Hein. Alors, on a toujours notre carte de confusion. Est-ce qu'on peut faire un combo avec quelque chose? Non. Non.
Notre arme, non. La défense, non plus. C'est embêtant. Ah, on a rien pour faire du combo là. Il va falloir relancer. Lui fait quoi? Arme, arme et percée. On va lancer une arme. Ok, on drop une force, c'est pas mal. On peut regagner un truc comme ça et faire monter notre force d'un niveau, c'est pas mal. On cogne. Visiblement il a pas joué ses cartes avec saignement, donc il va prendre du dégât normalement. Voilà. Alors, combo avec vitesse, combo avec force. Donc déjà on peut jouer ça. La vitesse, on monte le niveau de ce percé. Alors il a droppé quoi lui? Arme level 1, il a une défense ici qui combatte avec la force. Il va nous mettre du saignement. Non, il a pas de combo avec percé. On va enlever la défense. De notre côté, il nous faudrait soit une autre vitesse. On peut mettre un défense, remarque. On va pas faire beaucoup de dégâts, mais on se met de la défense. Et on va lui mettre un petit peu de handicap, je crois. Ouais, voilà. Ok, on a notre force qui est déjà level 4 là, qui commence à être un petit peu plus énervé. On a toujours notre consommable d'ailleurs, qu'on pourrait utiliser pour se soigner un peu. Ah, on a monté notre arme au niveau maximum, notre force au niveau maximum, ce qui fait qu'elle va faire 20 dégâts, moins 20 PV, 3 de saignement. Et on peut monter le niveau encore de percée. On va faire 68 de dégâts, se soigner de 20. Lui il va faire 26, est-ce que ça vaut le coup d'interrompre quelque chose? Ici il a une force. Ah ça c'est une action châtiment fureur qui combatte avec l'arme, d'accord. Là il combatte avec percée. On va l'enlever, comme ça il ne nous mettra pas de saignement. On soigne un peu. Et bim bim bim, mange. Aïe. Il a pris le saignement, ça fait plaisir. Il commence à souffrir. Alors, on va pouvoir faire monter de niveau une arme. La force. Voilà, percé qui monte un peu de niveau, on va faire 3 de... Ça c'est quoi? Quand la santé du paladin tombe en dessous de 50%, il gagne plus 4 d'armure pour le reste du combat et change de posture. Dans cette posture, il riposte par un coup de bouclier qui vous inflige des effets en fonction des actions. Si on fait de la vitesse, on subit 20 de dégâts, si on fait de la force, on subit 1 d'handicap. Ah d'accord. Très très bien. Je vois, je vois, je vois, je vois. Là du coup on va le percer. On va quand même lui mettre du saignement avec la force, et on a monté notre arme de niveau, ça nous donne 4 de défense. C'est parti. Donc il va nous mettre un handicap, alors oui il y a un E handicap, c'est assez moche j'avoue. Mais au moins il prend notre saignement, et pour l'instant en termes de PV on est pas mal. Hein. Ah. Donc le handicap, ça fait que ça annule tous les effets de la carte. Ce qui est dommage parce que, est-ce que ça fait les combos quand même? Genre si je mets les armes là, et que je mets ça, ça fait quand même du combo. Mais bon. C'est pas, ça les a pas fait monter de niveau. Hein. Level up mais elle reste à 2, donc je pense que ça augmente, ça bouge, ça bloque aussi ça. On va la relancer. Oh attends, on a popé encore une arme. On va relancer une arme. Ce serait bien une petite force, ou un percé. Percé qui combatte avec la vitesse, pourquoi pas. Étourdissement. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça? On va garder une vitesse, on va mettre une arme plutôt. L'autre il fait 63 en face, en quel honneur. Force qui combatte avec l'arme. L'arme qui combatte avec force, on va virer force. Voilà. C'est parti. Alors on a plus de points. Ce serait bien qu'on arrive à en mettre quelques-uns.
Aïe. Bon, pour l'instant, même si on encaisse, on est en train de doucement gagner. On a des percées level 4. On peut les comboter avec la vitesse pour les monter au level max, lui mettre de l'étourdissement. 70 de dégâts il va nous mettre par contre. Mais on va lui mettre max de handicap et max d'étourdissement. Donc on va accepter d'encaisser ça, je pense. Oh, on a fait un critique, tant mieux. Aïe. Oh, le 6 de saignement. On a notre armure de guerre résistante qui est en jeu. Alors le saignement, ça fait que si elle est en main à la fin du tour, on l'a dans l'os. Mais remarque, on a pioché deux défenses qui combattent avec la force, donc on va pas se gêner. Il va nous faire 0, tellement on se défend. On va lui faire 12, ce qui est pas ouf, mais quand même pas si mal. Et on va regagner des points d'anticipation, ce qui va nous permettre de gérer un peu mieux la suite. Tiens, mange. Ah putain, le handicap est... On peut mettre un combo avec percée et on peut mettre une violence pour faire 55 de dégâts. Ça c'est handicap, on va annuler ça. C'est parti. Normalement il devrait mourir, mais bon, dans le doute. Hein. Et bim! Le chevalier est à terre, mortellement blessé. Il lève vers vous sa tête et vous pouvez sentir son regard rempli de haine à travers son casque. Tu as gagné! Ma mort est proche! Peu importe, c'est trop tard. Elle est toujours là où vous vous êtes affronté la dernière fois. Et ce qui est en train de la dévorer aura raison de toi et de ce monde ingrat. Explique-toi. Oh non, je te laisse le découvrir par toi-même. Plaçant votre gantelet temporel sur son casque, vous absorbez ce qui lui reste de temps à vivre. Le paladin rend l'âme à vos pieds. Votre gantelet émet un léger bip et l'écran se déploie devant vous. Signature du continuum intégré, acquisition de la destination, destination acquise. Alors, ah la vache, faut qu'on choisisse. Oh, c'est dur. On gagne 100. On est quand même soigné, ok. On gagne 50 de thunes. 100 de vie, on est soigné de 100 de vie, on gagne plus 20 de vie max, et on peut choisir de prendre soit un peu d'argent, soit un peu de vie, soit un artefact qui nous donne 50 de vitalité. On va prendre l'artefact. Ah non, 3 récompenses, ok. On peut reprendre une carte défense, on a quand même un butin riche grâce à notre, notre niveau de butin, c'est plutôt cool. Un anneau de force. On va reprendre le consommable. Restauration gratuite plus une restauration gratuite dans l'arme de capacité de votre arme. Ou alors niveau percé augmente de plus 100 le niveau de toutes les cartes percées. Ou une force de plus. On va prendre ça. Se diriger vers le cratère sanglant. Ok, donc on est parti sur une nouvelle zone. Il y a effectivement un cratère qu'on pourrait qualifier de sanglant. On a de nouveau un petit marqueur de 15. On démarre avec un facteur de risque et un butin. Et voilà un petit peu comment fonctionne le jeu. On va arrêter la découverte là. Elle est largement assez longue pour une découverte. J'espère qu'elle vous a plu. Le jeu, comme je le rappelle, est en early access à 20€. Vous pouvez l'acheter pour soutenir le développeur si le concept vous plaît. Pour l'instant, moi j'avoue que j'y reviens assez régulièrement, j'y prends plaisir. Mais ça m'est arrivé de tomber sur des bugs encore assez gênants. Cela dit, le développeur sort une mise à jour par mois minimum. Donc c'est quand même plutôt, plutôt très très bien. Et on est franchement, il est quand même plutôt très cool. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite.